Pour réagir tout de suite avec nous, Sylvain Martel, il est porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Bonjour, M. Martel. Bonjour. Avec la FAE, hier en fin de journée, plutôt le Front commun, là, qui ont tous deux rejeté la dernière offre qui était sur la table par le gouvernement, quel est votre état d'esprit à ce stade-ci? Bien, écoutez, présentement, on est dans le pire scénario qu'on pouvait envisager. Et on a comme l'impression que ce pire scénario-là est en train d'être encore pire, parce que le pire scénario qu'on envisageait, c'était de glisser au niveau de la grève illimitée de la FAE, de glisser jusque dans les vacances des fêtes, qui commencent demain, et puis de faire un retour à l'école seulement le 8 janvier. Maintenant, avec ce qu'on comprend, puis il faut faire attention, là, parce qu'effectivement, ce qui se dit sur la place publique sert aussi à manipuler l'opinion publique, donc il faut faire attention avec ce qui se dit, mais il semble y avoir encore un très, très gros décalage aux tables de négociation entre les parties, puis ça regarde pas bien, en fait. C'est-à-dire que le retour à l'école pour le 8 janvier est beaucoup moins certain qu'il l'était il y a encore une semaine. Oui, sans compter donc, le Front commun qui menace également d'y aller d'une grève générale illimitée, ce qui ferait en sorte que 100 % des élèves des écoles publiques, finalement, en début d'année au Québec, seraient en congé forcé. Oui, tout à fait. Il faut comprendre que s'il y a un règlement avec la FAE et qu'ils mettent fin à leur grève illimitée, mais que le Front commun tombe en grève illimitée, ben les écoles restent fermées. Là. C'est pas, les enfants ne retournent pas à l'école. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord? On voit des images ce matin, coup d'éclat par la FAE. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces moyens de pression qui sont déployés? Bon, on bloque les ports, bloquer par exemple la rue Notre-Dame ici à Montréal? Écoutez, ce n'est pas à moi à juger des moyens de pression que les regroupements d'enseignants décident d'appliquer. Alors, non, je n'ai pas vraiment d'opinion, ni notre regroupement non plus, d'ailleurs, n'a pas d'opinion là-dessus, parce que ce n'est pas à nous à juger ça. Nous, en fait, il faut vivre avec la situation, puis il faut surtout préparer le retour en classe, parce que le retour en classe va être important. Il va avoir manqué beaucoup de jours d'école pour certains élèves, quand même assez de jours d'école. Puis là, c'est très incertain ce que je dis là, parce que là, je prends encore en compte qu'on retourne à l'école le 8 janvier, mais c'est même pas sûr. Donc, il faut vraiment commencer à préparer la rentrée, et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup pour pouvoir outiller les parents pour bien suivre la progression qui va naturellement se faire de façon différente au retour. Dépendamment du contexte, dépendamment évidemment du dénouement ou pas. Vous avez vu peut-être dans la presse ce matin le nombre de signalements à la DPJ qui a chuté en flèche, ce qui amène la crainte que des cas de maltraitance passent sous le radar. Dans quelle mesure vous êtes préoccupé, et je peux ouvrir peut-être plus largement, là, des impacts de cette grève chez les enfants plus vulnérables? Bien, il y a un impact pédagogique, ça c'est clair, mais il y a aussi un impact de bien-être, là, ça, c'est, ça aussi, puis on l'a vu, on l'a vécu en pandémie, lorsque les enfants, un enfant qui est dans un milieu qui n'est pas tout à fait adéquat pour lui, mais qui passe toute la journée là, c'est sûr que la situation peut juste être plus grave. Mm. C'est la même chose avec les enfants qui ont droit à une certaine aide alimentaire. Ben ça, c'est distribué par l'école. Là, ça ne l'est plus. Donc, ça aussi, c'est une problématique. Donc, chaque famille, chaque milieu, chaque enfant se retrouve avec une problématique très, très, très différente d'un à l'autre. Donc, il n'y a pas juste une iniquité entre ceux représentés par la FAE, ceux représentés par le Front commun, les écoles privées, mais il y a des iniquités aussi à l'intérieur d'une même classe, parce qu'il y a des parents qui ont été très, très capables d'accompagner leurs enfants ou d'aller chercher un tutorat ou quelque chose comme ça. Il y en a d'autres que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des enfants, comme vous dites, qui ont peut-être plus des problèmes au niveau qui requéraient l'intervention des services sociaux, mais souvent, comme vous l'avez dit, ces signalements-là sont faits à partir de l'école. Donc, c'est plus... effectivement, il va y avoir un éventail de problématiques très, très large au retour. Il nous reste 20 secondes. Votre message, disons, là, en quelques mots, pour le gouvernement et pour les syndicats, ce serait quoi? Bien, prenez pas de vacances, là.
Asseyez-vous puis négociez parce que c'est juste comme ça qu'on va arriver à une solution. Donc, il faut absolument que, y ait une intensification. Là, je sais que les syndicats le demandent. Mm-hmm. Il faut que les gens discutent parce que s'ils ne discutent pas, on fait juste étirer le conflit. Donc, il faut absolument que les gens discutent, même si moi, je sais que tous les acteurs de l'éducation vont être à l'affût et oui. prêt à intervenir pendant le congé des fêtes. Alors, il faut absolument qu'au niveau de la négociation, ça se fasse aussi. Sylvain Martel, merci d'avoir été avec nous cet avant-midi. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir.